Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer deux points pour une information, hein? Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes encore voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui nous commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Mombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, hein? Ça permettre vous faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information, yo. En nous, administration Vivario, dans tête collée avec la police communautaire, présenté un bilan sous différentes activités réalisées pour année 2019 là, sous secteur communauté avec leader communautaire, dans quartier difficile, yo. L'autre information, nous voulons partager ensemble avec vous. Président APCH là, mais ou changé, mandé responsable état, yo, pour prendre responsabilité, yo, pour réparer tronçon route qui finit craser machine en pile chauffeur dans vie nationale là. C'est des informations ça nous porter pour nous pas perdre du temps n'a commencé coulier ya. Là nous croyons que nous faisons en pile nous intervenu en pile dans commune dans différentes communes nous gagnons activité que nous fait nous faisons ensemble d'activité de clinique mobile nous faisons activité de clinique mobile au niveau de la Saline. Nous faisons une activité de clinique mobile Village de Dieu. Nous sommes présents aussi WAP et Jérémy. Nous faisons un ensemble d'activités sociales dans la zone à risque. Côté que dans la zone défavorisée, ça y est, on sait de besoin qui fait sentir. Grâce avec Vivario qui met avec ensemble de leaders communautaires qui sont dans la zone pour permettre de réaliser ce genre de travaux. Ça y est. Si nous avons cité que nous faisons un projet de latinisation au niveau de la Saline, nous faisons une fontaine publique au niveau de Croix des Bouquets, nous réalisons un terrain basket au niveau de SAP, nous réalisons tout aménager un espace au niveau de Jalousie, côté que nous permettons que les jeunes soient capables de prendre part aux activités physiques sportives qui permettent que pour nous réduire la violence en dans la zone SAIO. Donc, si nous t'apprenons vraiment pour nous énumérer tout ensemble d'activités que nous faisons en 2019, là, nous que ça t'a trop coûté. Et une activité que nous faisons, principale activité que nous organisons, c'est génie interscolaire que nous faisons dans l'école pour nous faire prévention, pour nous diminuer la délinquance dans l'école, là, pour nous diminuer le phénomène de violence. Nous connaissons Vivario, c'est Job Pali avec la police communautaire, c'est mettre ensemble pour réduire la violence en dans communauté yo en dans l'école yo. Grâce à Vivario nous réaliser un génie année 2019 là qui se passait que c'était collège APJ de Tabac qui était rivé champion. Donc dans cadre activité ça nous t'est réuni plus d'une vingtaine d'écoles vraiment une activité qui était étendue sous une période de un mois et quelques jours. Donc grâce à support Vivario génie ça a été fait et que nous t'ai gagné collège APJ de Tabac qui était et remporter trophée. Nous faisons partie d'un réseau, qui est solide, qui inclut Vivario, l'autre partenaire de la société civile, la police communautaire, Izonio. Ça veut dire nous tous qui là, qui représentent les différents quartiers. Nous avons dit que je ne veux dire ni Vivario ni la police communautaire, nous avons un réseau de plus de 300 leaders communautaires, plus de 300 associations et organisations de base. Dans tout périmètre de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Quand on parle de Port-au-Prince, Delma, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Tabar, Pétionville, tout zone ça. L'aime dit 300, là je dis, bon, nous pas gagné 300 parce que nous faisons un échantillon. Nous pas qu'à inviter tout le monde, malheureusement, mais nous invitons un gros morceau là-dedans. Et un morceau qui est important pour nous, qui c'est des gens qui sont avec nous depuis longtemps et qui ont aidé nous depuis longtemps. Dans 6 communes, nous faisons un paquet de bagailles à partir des réseaux ça qui nous sont venus bâtir. Alors, Jean, la police communautaire a commencé à parler déjà. Et il y a plusieurs activités que nous avons fait pendant la période. Ça. Nous avons aimé parler surtout des projets communautaires. Pendant la période, ça, nous avons fait plus de 30 projets communautaires. Les projets communautaires, c'est des petits projets d'infrastructure qui nous choisissent ensemble avec la communauté yo, qui capote une amélioration durable pour les jeunes. Alors, l'inspecteur Jimmy a cité quelques déjà.
même t'as aimé parler de quelques tout, m'pas c'était tout tranquille, mais quelques qui me pensaient yo sont des projets qui vraiment et méritaient on s'y parler. Alors par exemple maintenant et n'a pas des communautés la Saline n'a pas insuré building yo dans zone qui aurait les projets. C'est un bagage qui fait me content en pile parce que depuis longtemps pas vraiment, il n'y a aucun travail sur building ça yo de récupération, de réparation de building ça yo. On t'a aimé faire plus, même penser c'est déjà et un bon bagage surtout dans un moment très difficile dans zone là. On va parler tout de on terrain de basket qui n'a finalisé là dans moment en village de Dieu. On t'a aimé citer deux zones ça yo, la Saline et village de Dieu parce que on pensait c'est des zones qui vraiment a passé, était passé dans la dernière année par des mauvais moments. Malgré ça, c'est possible de travailler dans la zone Sahel, malgré toutes les difficultés. C'est possible. Parce que la population de la zone Sahel a soif. Elle a soif sociale, elle a soif d'opportunités, elle a soif un paquet de bagailles. Alors malgré les difficultés, c'est possible de faire des petits efforts. Et, je dis à nous faire des petits efforts, sinon un jour, nous revenons au moment côté nous avons fait des gros efforts, peut-être et nous avons fait plus. Bilan homicide que nous avons pendant l'année 2019 là, et que nous recueillons dans la zone et de l'air et environ. Au mois de janvier 2019 là, nous avons gagné 5 morts, donc qui sont 2 pour Saint-Martin, 2 pour la Saline Port-Rouen et 1 pour Bel Air. Pour février 2019, nous avons gagné 17, 3 pour Bel Air, 4 pour Delma 2, 4 et 6, 1 pour Fond National Bastia, 9 pour Saint-Martin. Au mois de mars, nous avons gagné 9 cas. Pour le mois d'avril, nous avons gagné 15. Pour mai 2019, nous avons gagné 3. Juin 2019, il y a un cas d'homicide. Juillet 2019, 8 cas. Août 2019, 8 cas. Septembre 2019, encore 8 cas. Et octobre 2019, là, 13 cas. Novembre 2019, 8 cas d'homicide. Et pour décembre 2019, nous avons gagné 12 cas. 3. Pour zone Ouave Jérémy Fort Dimanche, Pont Rouge, 4 pour Saint-Martin, 10 pour zone Port-Rouen-la-Saline. C'est total ça nous gagne pour décembre 2019. Ça fait un total de 107 morts pour l'année 2019, là, de janvier à décembre. Donc, comment nous recueillons les données ça? C'est par rapport avec les leaders communautaires. Dans chaque zone, et chaque lettre cas ça représente, il y a même une information de comment et cas ça arrivé. Nous capables de vous, nous charger de difficultés au niveau de transport. Par exemple, on prend les 5 départements. Pour vous dire 5 départements, on prend Sud, Sud-Est, Nip, Grand-Anse, il y a parti dans le département de l'Ouest. Mais tout le monde sait qu'à fréquenter 5 départements, ça a nous charger de difficultés parce qu'au niveau matissant, on va jamais compter qu'il y a un bon dérapage. On doit se faire un bien propre pour ça. Et puis, des moments à d'autres, comme ça, c'est que pété, mon sac traversé, tout traversé, sac pour traverser, tout était l'autre bon. Mon besoin d'évacuer à l'occupation, nous ne sommes pas capables. Nous-mêmes, notre responsabilité, nous sommes victimes, nous faisons grève, nous faisons tout le bagaille, rien ne va jamais faire. Quelle est la date d'après l'an, moi, là, où l'État bouche tout qui est au niveau bicentenaire? Rivé dans toute zone matissante. Rien ne va jamais faire. Bon, EDH! Moun pa ka fréquenter la pour qui ça, bloquer bloqué la ria net, l'État pa jamais fait rien. Amen. Pour nous avoir l'État pour global, c'est tout le premier bagage ça. On nous dit, nous demandons pour débloquer rue du centre. Au niveau de la colonne, il bloqué. Rue de la Réunion, il bloqué. Rue de Monseigneur, il bloqué. Pas de route dans le pays. Et c'est même si parler de risque de nous, Richard Mas, côté monsieur Cap de Moli, machine au branle. Il y a plus de machines qui campent que de machines qui brûlent dans le pays. Alors, quand est l'État qui a fonctionné là? Nous avons près de 1 an depuis la plainte pour bloquer, pour clôturer au côté pour la circulation capable de faire un service d'inspection. Rien n'est pas jamais fait. C'est pas comme ça, pour l'État, où est-ce que c'est la fête?
Voilà. Équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.